Quelle est la somme du nombre d'arêtes, du nombre de sommets et du nombre de faces d'un cube? Représentons d'abord un tel cube et commençons par les sommets. Nous avons quatre sommets en haut et quatre sommets en bas. Donc, ça fait en tout huit sommets. Maintenant, les arêtes. Nous avons quatre arêtes en bas. Nous avons quatre arêtes en haut. Et puis, nous avons encore quatre arêtes verticales. Donc, en tout, ça fait 3 fois 4, c'est-à-dire 12 arêtes. Regardons maintenant pour les faces. Nous avons deux faces, l'une en haut, l'autre en bas. Ensuite, deux faces, l'une avant, l'autre derrière. Et encore deux faces latérales, l'une à gauche et l'autre à droite. Ça fait donc 3 fois 2, c'est-à-dire 6 faces. 8 plus 12 plus 6, ça donne 26. Donc la réponse finale à la question posée, c'est 26, c'est-à-dire le E. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.